L'île Sainte-Lucie, c'est une île qui fait à peu près 300 hectares, qui a été complètement boisée et qui depuis 2009 est donc classée en réserve naturelle régionale et qui donc a été ouvert au public, donc avec des circuits de 7 km pour la boucle la plus longue, qui permettent au public d'accéder à différents panoramas sur l'ensemble du territoire, des lagunes, des massifs autour. Vous allez lever la tête et vous allez voir des dizaines, voire des centaines par moment d'oiseaux qui vont vous passer au-dessus, qui vont migrer à la remontée d'Espagne. Ou alors, si vous avez un peu de chance, si vous pouvez voir des sangliers ou des chevreuils qui vont être près du sentier en train de se nourrir. Et puis, vous allez avoir des ambiances de cigales en été qui vont être complètement ahurissantes. Voilà. Moi, je conseille de venir faire le matin le tour du site le plus tôt possible pour profiter vraiment de la fraîcheur du site et de la faune et de la flore. Et ensuite, si le cœur l'en dit, d'aller à travers les salins pour regagner le littoral et voir même si les conditions sont bonnes, d'aller piquer une tête en mer, puisque le site le permet, donc d'avoir ces trois facettes. Un côté île le matin et puis d'enchaîner sur la partie salin, et une fois des salins, aller profiter du littoral. Donc, je vous invite donc à venir visiter la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie. Et si jamais vous avez l'occasion et si vous nous croisez, n'hésitez surtout pas. On est tout à fait ouvert au public et bien au contraire, on appréciera de vous renseigner. Donc, n'hésitez pas.